Pour l'instant, c'est sourire, photo, selfie, parce que c'est son premier match sur ce banc. Mais le plus dur est sans doute à venir. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Les places à la Ligue 2 BKT pour une rencontre qui évidemment avec intérêt. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Et oui, le football c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Un œil sur la compo de cette formation. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose. La solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur. Et on va découvrir le 11 de départ. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Bon saut. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Et voilà l'arrêt qui fait du bien. La défense peut souffler. Un corner qui est bien ajusté, tir contré sans difficulté. La frappe. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins 3 équipes en 6 points. Oui, on est encore à la mi-saison, mais espérons que toutes les équipes tiennent le coup. Ça risque d'être un peu long, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, c'est le premier but en faveur de Guingamp. Un but à zéro, donc, après seulement 9 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Et ce ballon est finalement intercepté. L'attaque se poursuit, balle au pied. Abergel en possession du ballon. Et ça joue sur Fèvre. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Un peu de coaching avec ce changement. Lorient, un club dont le dernier match s'est soldé par un nul face à 3. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Oui, un match à domicile, ça s'est terminé sur le score de 1 partout. Au vu la qualité du travail effectué cette semaine, la victoire semble parfaitement envisageable. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème.
Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Oui, il s'agit du premier but pour Reims. Un but de Mizian Maolida sur une erreur du gardien. Un but à zéro, donc, après 14 minutes de jeu. Allez, merci et tenez-nous informés de la suite. L'événement, ce sont bien sûr les grands débuts de leur nouveau coach sur le banc. On en parle depuis plusieurs semaines. Les objectifs de cette saison sont très élevés. Oui, c'est clair que pour le supporter, autre chose que le titre des champions serait une déception. Alors plutôt que de parler d'obsession, il veut mieux parler des rêves. Ah, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Laurent Abergel. Bon saut. Oui, le tir. Oui, c'est contré. Bonne défense. Oui, ça presse bien. Oui, le pressing est efficace là. Bon saut. Chougrani. Danger. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Et le ballon rendu à l'adversaire. Bamba Dieng. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Le ballon en touche. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et ballon récupéré sur cette action. Bamba Dieng. Le premier but du match, la domination récompensée, voilà le premier but mérité. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte et vient se glisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus, mais ça fait but quand même. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Valerio. Et c'est intercepté ça. Vincent Le Goff. Avec Laurent Abergel. Et attention à cette perte de balle proche du but. Timoué Bakayoko. Et la bonne parade du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est finalement dégagé. Et ça sort. Nouvelle chance. Oh, c'est dedans. Les voilà. Avec deux longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste et c'est fait. Ce ralenti qui nous remonte le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Danger. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu.
c'est l'équipe visiteuse qui a la possession du ballon. Et même si la possession, ce n'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Aïe, 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 ballon perdu. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Pas assez de concentration sur cette passe. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et depuis le début, c'est un festival offensif de sa part. C'est un plaisir à regarder. Et voilà ce que ça veut dire être ami avec la balle. C'est cette qualité à vouloir être protagoniste, à défier ton adversaire, à produire des émotions, à vouloir se marier avec le risque. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur notre pelouse apparemment. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Valenciennes. Un but à zéro donc, après 48 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info. Pas assez de puissance et de précision, le ballon est intercepté. Bamba Dieng, ah, le contre est possible. Le ballon pour Romain Febvre. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Et c'est renvoyé par la défense. L'arbitre siffle la faute, ça donne donc un coup franc. Le ballon pour Romain Febvre. Febvre, lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Et voilà une bonne récupération là. La passe dans le dos de la défense. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. S'il vous plaît, nous vous rappelons que le stade est une enceinte conviviale. Merci d'agir en conséquence. Attention à cette passe. Et le gardien était bien vigilant. Ah, la récupération haute, bon pressing. Attention, ce tir. Oh, la bonne parade. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. C'est bien parti pour ce corner. De nouveau, un corner à jouer. Et encore un corner à tirer.
le corner. Le ballon sauvé sur la ligne. Romain Fèvre qui reçoit, c'est contré sans problème. Ouais, c'est bien lui ça, bonne interception. Clément Depré. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. À Kayoko. Vincent Le Goff. Ouais, le long ballon pour changer de côté. Ouais, bien joué, le bon mouvement là. Voilà le bon geste défensif, c'est contré. Valerio. Aïe, la passe est manquée. L'arbitre laisse l'avantage. Bouades. Danger. Et je viens d'avoir l'info. Oh, la faute de pénalty. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est dedans, pénalty bien frappé. Anticiper, pourquoi pas, mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le plongeon. La défense qui cède et pour l'entraîneur, c'est un motif d'inquiétude. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Ça joue, avantage. C'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Ah, désolé de vous avoir coupé comme ça la parole. Et on le disait donc, Grenoble vient de marquer. Ce qui leur permet maintenant de se détacher de... Ah, le ballon est contré. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Valerio. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Ballon récupéré par la défense, danger pas totalement éloigné. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, deuxième but à l'instant pour Clermont. On en est donc à 2-1 alors qu'on joue depuis 83 minutes maintenant. Ouais, c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, il sort commettre de... Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre? Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Le numéro 18, Antoine Valerio. Son remplaçant. Le numéro 27, Luigi Yunusa. Très bon timing sur cette interception. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Transversale pour bouger la défense adverse. Et c'est intercepté ça. Le coup de sifflet final avec donc une bonne victoire pour Lorient et 3 points en plus. Le score ne change rien.
C'est une victoire et la règle est simple. Une victoire, ça vaut 3 points.